Un dé à quoi c'est deux. Mesdames, messieurs les victimes du handicapé du tremblement de terre du 12 janvier 2010, chers invités, chers compatriotes, 12 janvier 2010, une date de notre histoire de peuple qui doit rester gravée dans la mémoire de chacun de nous et dans celle des générations futures. En quelques secondes, l'espace d'un ciment, des centaines de milliers de vies sont fauchées. Un nombre incalculable de blessés, plusieurs milliards de dollars de dégâts matériels, 1,5 million de sans-abri, sans oublier les milliers de nos compatriotes aujourd'hui handicapés qui portent dans leur chair les stigmates de ce séisme. 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire. Et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 12 années plus tard, beaucoup d'entre nous ont encore besoin de soutien pour adresser et soigner les séquelles de ces blessures. Il en est de même pour la nation haïtienne, qui a besoin de ses filles et de ses fils pour penser les traumatismes laissés par ce drame, tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. En effet, si 12 ans plus tard, on a fini d'enterrer nos morts et soigner nos blessés les plus graves, beaucoup de blessures invisibles sont encore ouvertes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce souffle de solidarité spontanée pour continuer de soigner ces plaies, pour en tirer collectivement les leçons, mais aussi pour surmonter nos différends actuels, causes de grande fragilité et de vulnérabilité. S'il nous prenait l'envie d'oublier ce terrible tremblement de terre, la nature s'est chargée de nous faire plusieurs piqûres de rappel. Le 14 août de l'année dernière, un autre séisme dévastateur a frappé la presqu'île du Sud et les secousses enregistrées dans le Sud ces jours derniers sont venues nous rappeler que notre pays est traversé par de nombreuses failles qui les rendent vulnérables. Nous devons apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles qui, hélas, ne se limitent pas aux tremblements de terre, car nous sommes situés sur la trajectoire des cyclones. Nous sommes aussi menacés par l'impact des inondations et par l'impact du réchauffement climatique. Tremblement de terre, 12 janvier, c'est pas qu'à seulement l'écraser. Écraser toute l'économie pays. Et ça prend nous en pile temps pour nous retourner dans le niveau nous t'ayons avant séisme. Pire par ces catastrophes naturelles, ces catastrophes chrétiens vivants provoquées eux-mêmes. Nous pas qu'à dire ces tremblements de terre qui détruit valeur morale dans la société noire. Qui fait aujourd'hui, vie moun pa vle di en rien pour un paquet à tout fait. Qui croit yon gen droit touye yon président, fait tentative d'assassiner sur yon premier ministre, gagne cervelle paisible citoyen qui a passé dans la camionnette sans raison. Nous pas qu'à prévoir ni empêcher tremblement de terre. Mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi
pour nous vivre et comporter nous yon l'autre gens avec plus humanité. 12 janvier, c'est un bon moment pour nous demander tête nous. Qui côté nous voulons aller à PIA? Ce n'est pas un moment pour nous continuer dans Chirépite. Bataille l'un contre l'autre. Servir à violence pour craser l'autre. C'est de préférence un moment pour nous chercher la paix et entente. Un D à quoi c'est deux? À quoi c'est deux? La presse qui l'a et qui toujours répond avec rendez-vous nous et n'a dit au courage et n'a dit au année 2022 son année d'événement que nous allons gagner pour nous aborder ensemble. Même pas capable de saluer tout de façon spéciale. Courage et sagesse militant qui l'a eu. Militants ça yo qui toujours campé bon côté SDP. Et jodi a une autre fois encore devant la presse, yo exprimé revendication. C'est des jeunes garçons, jeunes femmes qui bataillent et qui veulent l'autre pays. Mais pendant après revendiquant l'autre pays, yo veulent travailler. Et ça nous voulons que yo prenne note de ça. Et nous même au niveau SDP n'a bataille pour ça parce que c'est un objectif bataille nous n'a salué tout de façon spéciale prisonniers politiques yo. Parce que jusqu'à date nous gagne des prisonniers politiques toujours en dans prison nous pas capable saluer tout parents monde victimes yo. Parce que il y a pile monde qui tombé dans bataille là il y a pile monde qui mourit en mais sans monde ça yo pas doit couler pour grand merci. Et c'est pour raison ça aujourd'hui. N'a dit dans cadre application accord 11 septembre nous exiger gain des mesures qui prend pour voir des signaux clairs à la population. Par exemple, question kembe toute direction générale yo. C'est monsieur PHTK qui kembe toujours pour permettre que jeunes yo, pour permettre que ensemble des monde en deux population pas cap connaître ça qui passe dans boîte ça yo. Moi, je crois que ça, il doit camper. Et c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, au niveau SDP, nous avons demandé pour Akoa d'appliquer. Par exemple, il faut qu'on finisse avec la question du gouvernement. Nous pouvons aller, par exemple, dans le BRH, par exemple. BRH, je dis à c'est une catastrophe. Son fiasco qui fait au niveau BRH. Premièrement, BRH avec équipe qui là, équipe PHTK, yo prend goud là à 40 goud pour un dollar. Et je dis, nous tous nous connaissons, pour un dollar, nous avons besoin environ 110 goud. Et avant, même 125 goud. Ça veut dire son fiasco total qu'a fait dans la finance pays. Et deuxième notre bagaille pour nous noter pour nous, je dis à peuple la bagaille accès à dollar. Là par exemple nous avons monde à l'étranger pour monnaie pour nous en dollars, c'est en goutte de banne. Et nous dit gouvernement qu'il a faut qu'il prenne mesure pour ça suspendre l'inflation. L'autre bagaille qui est important et m'a dit nous ça. Question inflation qui n'a parlé de lui. Et là on parle d'inflation, c'est question coût de la vie. Monsieur, vous prenez l'inflation à 8,5%.
Et je dis à l'inflation environ 25%. Ça veut dire que la vie vient plus chère. La misère, grand goût, n'est pas quitté la taille de bandage sur la population. Ça veut dire ça, nous ne sommes pas d'accord ça. Et dans le cas de ça, on nous dit qu'il faut qu'il y ait des mesures qui prennent rapide au niveau BRH. Par exemple, BRH, bon gaspillage de dollars qu'il a fait. Sorti 2019 pour arriver 2020, il y a environ 150 millions de dollars qui ont été injectés sur le marché pour régler l'affaire Payo. C'est quoi Payo qui a dans la poche? Dans la fin 2020, ils ont injecté plus de 90 millions de dollars dans le salle de Payo. Ça veut dire que c'est gaspillage qui a fait au sommet de l'État. Question politique monétaire, régime qui se passe là, c'est zéro baril. L'équipe qui l'a, il a échoué. Il n'est pas capable de fiasco équipe. Et nous disons clair, si le gouvernement qui l'a, si Ariel, ce n'est pas bagaille PHTK l'a réglé, on a dit qu'on est fort pour mesure pour changer le directeur général, pour changer le BRH, laisse ça, c'est la population, la baille, le cas raison. Mais s'il ne veut pas le changer, laisse ça la population lui-même, la première responsabilité, c'est ça. Nous parlons sur un bras spécial qui c'est ONA. ONA, nous tous nous connaissons, c'est là, petit peuple, ouvrier, ouvrier zoé. Mais là, son gagote qui a fait là. Et nous disons pendant la transition, il faut que vous audit qui fait dans ONA. Il faut que une commission qui monte, une commission d'enquête qui monte pour regarder ce qui a passé dans ONA parce que c'est un scandale. Ce scandale financier qu'il a, pour moi-même, son onaguet qui gagne sous le pays. Et nous-mêmes, au niveau SDP, nous prenons la bataille pour nous faire un dossier ça, pour permettre qu'il y ait une lumière qui fait sur ONA. Parce que les choses qui passent dans ONA, c'est plus mal que Pedro Kagbe. Et nous disons pendant la transition, il faut que la question ONA soit traitée avec transparence pour tout le monde connaître ce qu'on a. Attendez à quoi c'est deux. Je dis à ce 10 janvier 2022. Qui position secteur démocratique là sous question mandat 10 sénateurs aujourd'hui? Information. Vendredi qui s'est passé là. Vendredi qui était 7 janvier 2022. Tu as gagné un groupe important. Signaté encore en septembre 2021, qui te rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry. Et question, mandat du sénateur Sayo, tu as une discussion qui fait sur lui. Tout signaté encore qui te participé à la rencontre ça avec le Premier ministre Ariel Henry, nous tous nous reconnaissons que mandat 10 sénateurs Sayo fini jeudi, lundi 10 janvier 2022. Ce n'est pas le gouvernement qui va renvoyer. Le gouvernement pour constater que mandat est fini. Le gouvernement qui l'a sorti dans l'accord en septembre 2021. Et à partir de ce moment, le gouvernement n'a pas eu le choix que de constater la fin du mandat de ces sénateurs. Nous tous nous connaissons. Ces 10 sénateurs qui étaient d'accord, il faut qu'ils allaient aujourd'hui. Parce que deuxième lundi janvier 2020, Jovenel Moïse te prend décision pour renvoyer 2/3 dans le Sénat. Et il y a un tiers qui était un sénateur Kassi, sénateur Jean-Marie Salomon, sénateur Sénatus, sénateur Chérubin, Dupi, qui fait seulement 4 ans dans le Parlement, alors que vous avez un mandat 6 ans. Vous avez perdu 2 ans dans le mandat. Et 10 sénateurs, vous êtes d'accord avec la décision de Jovenel Moïse. Depuis que vous êtes d'accord avec la décision, ça veut dire d'accord que le Sénat lui renouvelé par tiers. Vous êtes d'accord que le mandat est fini jeudi 10 janvier 2022 à tout. Baton qui te bat chez nous, c'est lui qui vous bat chez blanc. Pas de discussion dans ça, mandat est fini.
D'ailleurs, vous avez deux nègres. Vous avez 10 nègres qui fait 2 ans, ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas travaillé et puis ils ont couché. Bref, mandat est fini, pas de discussion sur ça. Il ne faut pas oublier. Le journal te fin renvoyé 2 tiers Sénat, c'est Sildor qui te vin président et c'est lui-même qui te mettait la police devant pour empêcher le sénateur de rentrer. Je te reconnais que le mandat a fini dans 2 ans, je te fais corps avec le journal. Le Sénat se renouvelle par tiers, je dis à mandat est fini, pour avoir courage pour accepter. Je dis à ça qui est plus important pour le peuple, c'est la sécurité. Je dis à 11 janvier, je dis à 10 janvier. 2022. Demain a fait 4 mois depuis nous signons l'accord 11 septembre. Ce n'est pas normal. Pour jusqu'à présent, gang, assassin PHTK, Jovenel Moïse, te mette dans le pays, ils continuent à prendre contrôle du pays. Nous ne pouvons pas passer Matissan. Département Sud bloqué. Département Sud-Est bloqué. Nîmes bloqué. Grand-Anse bloqué. Nous ne pouvons pas traverser. Les gens qui sont dans le département Sayo, Sud-Est, Sud, Nip, Grand Danse, Léogane, Tigouave, Grand Rouave, Gressier, ils sont obligés à payer une motocyclette, $400 pour passer par Boutillier. Ce n'est pas normal. L'autorité de l'État doit être rétablie dans ce pays. Et je dis à nous dire, première priorité du peuple haïtien, c'est la sécurité. L'argent est payé, sénateur qui peut travailler. Parce que le mandat est fini, baille la police li, pour la police, baille le peuple la sécurité. L'argent que vous payez député, baille la police li, pour la police, baille la sécurité. Mais attention, employés qui sont dans le Parlement, c'est le petit peuple. Yo. Ça veut dire, yo c'est haïtien même avec nous, ils ont prêté dans le job, ils n'ont pas le droit de révoquer. Mais tout cop qui est pour député, pour sénateur, baille. La police. Baille la police ZAM pour le faire travailler. Baille la police hélicoptère pour le faire travailler. Baille la police char blindé pour le faire travailler. C'est prendre tout l'argent. Je dis, procès Petro-Caribéa, il faut le faire. Il m'a annoncé nous tout le procès devant coup d'appel. Et moi-même, avec M. Marc-Antoine Maisonneuve, nous prenons toute disposition pour mettre le dossier en état. Pour que le plus vite possible, le procès a recommencé devant le coup d'appel pour tout le monde. Procès massacre La Saline, procès massacre Belay, il faut que vous fassiez parce que SDP n'a pas abandonné revendication. Peuple là, il est clair pour tout le monde. À quoi c'est deux. RNDDH fait 2 rapports sortis après l'assassinat de Jovenel Moïse. Premier rapport a sorti dans le mois d'août 2021 après la police judiciaire de CPJ te remettre premier rapport partiel lié à commissaire gouvernement. Nous avons analysé le rapport ça et avec l'autre information que nous avons fait, nous avons fait un rapport. Et deuxième rapport, c'est 6 mois après l'assassinat qui sorti jeudi et passé, jour 6 janvier 2021, pour nous montrer que 6 mois après, la police judiciaire n'a pas continué à approfondir l'enquête là. Et parce que son rapport, un rapport passé à le remettre, et pas d'instruction au niveau cabinet d'instruction. Et juge là avec greffier, c'est à sceller la parcelle les mounes. Moun ki gen mandat kont yo y a mande yo l'argent et moun yo invité dans cabinet d'instruction c'est kòb yo payé pour en pile là-dedans yo pour yo capable tande yo et m'pa di tout mais gen là-dedans yo donc nan sans ça nou wè avant assassinat Jovenel gen une série d'institutions qui étaient connectées avec la police judiciaire base de données institution ça yo c'est OAVCT immigration DGI avec ONI. Yo déconnecté yo avant assassinat, après assassinat yo pa jam reconnecté yo jusqu'à journée jodi yo pa jam reconnecté yo. Et nous wè tout et gagné 5 moun qui et planifié, coordonné, exécuté crime nan. Et alors coordonné pour exécuter crime nan, c'est Joseph Badio, John Joel Joseph,
Dimitri Ra et Civil Laguel avec et Dragon. Malheureusement, tout le monde connaît, le 17 novembre 2021, Dragon mourit dans condition et jusqu'à présent nous pas connaît. Monsieur Yodil te fait Covid en dans prison hein? Et l'elle rive l'hôpital, c'est même jour rive l'hôpital là, un petit temps après, il mourit côté que oxygène était baissé, il était plus bas passé 60 et il va mener l'hôpital à temps. Donc, c'est un élément clé dans le dossier. Et qui ça nous fait nous-mêmes RNDDH? 6 mois après, nous analyser, nous joignons directeur général, ancien directeur général de la police, Léon Charles, il a fait obstruction avec l'enquête là. Il a contrôlé l'enquête là. Et côté que l'IPAD prend aucune disposition pour, et l'IPAD fait aucune démarche, prend aucune disposition pour la police judiciaire de reconnecter avec l'institution pour te faciliter l'enquête là. Et nous, tout, c'est sous leadership li, après enquêteur de CPJ fin remettre le premier rapport partiel lire et bien inspecteur général qui était là dans l'époque là le 1er octobre 2021 li comment ont commencé convoquer policiers qui étaient sous enquête là dans inspection générale c'était pour intimider ou pour mettre eux en prison et tout l'autre jour là dans le mois de décembre les et Jules a invité Léon Charles dans le cabinet d'instruction. Léon Charles allait avec 53 policiers. Et tu as 2-3 policiers administratifs. Après ça, tout l'autre chose, c'est des policiers dans l'unité spécialisée. Il débarquait avec 7 machines. Pour qui ça? Est-ce qu'il y a un bagaille? Qu'il gagne pour le cacher? Est-ce qu'il gagne pour intimider Jules? Et puis tout, gagne John Joel Joseph. Dans le mois de juillet 2021, DCPJ t'a identifié. Il était non caille dans l'île à voix après le cité soleil après ça dans l'île à voix là le caché et c'est Léon Charles le DCPJ après mené et enquête une opération dans caille là pour prendre Miché na soué et Léon Charles informé Miché et il fait DCPJ al fait et aller dans caille là dans la journée pour assoué pour y pas joindre pour pas arrêter et ou gagne tout Jean Rodolphe Jean qui c'est un nan moun qui finance crime nan monsieur le 11 décembre 2021 il fait une interview avec New York Times m vle nou konnen interview New York Times là et pas pendant Ja en République Dominicaine il fait il était fait en Haïti le 11 décembre et Ja c'est dans commencement janvier la semaine passée là les en République Dominicaine et puis yo arrêté il était une protection et autorité yo. Donc la collaboré avec FBI. Donc Jean nous enquête à piétiner en Haïti côté que Ariel dans mois d'octobre 2021 4 mois après assassinat l'y rencontré avec Badjo 2 fois dans nuit et dans un caille et Badjo yo gagne pour arrêter Badjo yo gagne pour prendre John Joel Joseph. Si autorité ici en Haïti qui a protégé et moun qui impliqué dans crime là si yo pa gèt assassiné yo mais c'est ça pou ko kite peyi a et alors John Joel Joseph kite peyi a mais Badjo toujours en Haïti tande a quoi c'est deux Nous saluons la presse parlée, écrit télévisé et médias en ligne qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Parti socio-politique Vive Haïti a baillé première conférence de presse pour l'année 2022. Une année qui déjà montré la difficile. Dans l'enquête que Vive Haïti menait, nous joignons presque 1002 personnes qui ont été kidnappées pendant toute l'année 2021. Alors que il y a 81 là-dedans, c'est ressortissant étranger qui oui. Alors que nous songeons de Saline te dit, eh bien, quel que soit le monde qui vit sous, quel que soit le bout de terre, debout par libre, viennent là. Je te dis, Haïti sont terre hospitalier. Lui. Et je dis à nous, ouais, c'est le contraire. Et ça arrive, c'est grâce avec 2 versions PHTK. Ensuite, nous allons joindre 467 personnes. Nous capables de dire qu'ils mourent par balle. En 2021, contre 297
En 2020, ça veut dire une augmentation de 150%. Ça veut dire Haïti vient plus mal que Syrie, Libye, Iran, Irak et même Afghanistan. Et par contre, l'on a comptabilisé ensemble de monde qui mourit pendant l'année 2021, il vient passer à 467 000. Donc, on est là pour l'année 2022. Qui Jean Bagalaï, de 1er janvier, on dit de 31 décembre à minuit, à jeudi, là, Viva Haïti recense toujours presque 35 personnes qui mourent par balle. Alors que le pays a de la police, les gon CSPN qui a blablabla, les gon gouvernement qui a fait comme, et les gon bande à bolotcho politique qui a supporté, alors que la misère de la population a toujours été le même genre. 1er janvier, dans Gonaïve, nous avons Ariel couru une deuxième fois. Alors que avant l'arrivée de Gonaïve, il était déjà envoyé près de 10 millions de goudes by une série de monde qui gen zam nan men yo. Et par contre, ou pas venir tendre commissaire gouvernement pour dire après les bagarres a passé mal et directeur général de la police a couru, Ariel a couru, gen moun ki manke retate, gen officiel qui trompe machine, kal monte l'autre machine, gen nèg se nan camionnette, yo couru vinn Port-au-Prince tellement bagarre la te grave, alors que nèg yo dépensé en pile cob. Que le te cob yo voye bay moun armé, que le te cob yo dépensé pour faire stang, yo la cause mais moun victime. Donc jodi an tout le monde t'attendait, dans pile voix qui t'est levée dans la société, pour te dire Ariel, pas aller Gonaïve. Il a aller Gonaïve, les gens qui mourent, c'est sous responsabilité Ariel. Parce qu'il faut le déjà connaître, terrain pas propice. Mais tout le monde est d'accord que eh bien, COB qui dépense, c'est COB l'État haïtien qui est, on n'est pas qu'à prendre l'argent, à faire gargote. Mais nous, le commissaire gouvernement, il a décédé mandat contre pile monde dans Gonaïve qui a des amis, puis précisément à Raboto. Mais ça fait mal au niveau de l'Haïti. Nous attendons le commissaire gouvernement dit moun qui te voye kob yo la met mandat derrière. Nous attendons le dit moun qui pote kob la ali ya la met mandat derrière. Donc nous devons faire un bilan ça. Ça fait deux courriers Ariel fait dans deux dates qui est extrêmement important. Nous sommes le 17 octobre, Ariel te voye 20 millions de goudes à Valois, il te rete 15 millions de goudes derrière, ça pas t'empêcher yo te fait le courrier pour rouge. Mais nous elle voye 10 millions de goudes Gonaïve, ça pas empêcher que eh bien li courrier Gonaïve. Donc on est là pour nous rentrer dans sa crêle corruption. Et dans le New York Times, excusez-moi. Nous songez bon président américain qui mourit, qui était mourit, qui était relé John Fitzgerald Kennedy. Même te ouais, FBI t'a mené enquête. CIA t'a mené enquête. Mais pas jamais t'attendre l'autre nation bien média dans l'autre pays à bail résultat enquête. Alors que je dis hein, on président mourit la caille nous. C'est de voir la justice pays nous. C'est de voir eh bien, la police pays nous pour arrêter tout coupable. Mais par contre, c'est comme quoi que nous, ouais, New York Times a joué un rôle, l'a retiré à la côté l'IA pour le mettre de l'autre côté. Qui ça ne veut dire pas là? Selon l'information que nous venons de vivre à Haïti, il y a des gens qui ont commandité une enquête là depuis Haïti pour voir by New York Times. Et ça fait, ou pas le Vive Haïti te prend responsabilité, nous te porter plainte pour Ariel et ancien directeur général de la police. Nous voulons parler de Léon Charles. Mais là, on te fait là. En pile, monde qu'on a critiqué nous, comme quoi que nous sommes jovenelistes. Mais là, Viva Haïti te fait là. C'est besoin de montrer le monde entier que c'est propre nèg en dedans pouvoir. C'est propre PHTK ou même. C'est tout le jovenel. Ça veut dire partisan jovenel, tout le jovenel. Nous songeons Viva Haïti de prendre responsabilité, nous te porter plainte contre ni directeur général de la police, ni Ariel Henry. C'est comme quoi que je dis à nous, ouais, il a retiré Léon Charles. Qui est responsable ZAM, qui est responsable la police, qui est responsable de la sécurité du pays, et puis il y a cherché 6 personnes pour faire chai pour ti. Bon, moi-même, nous ne sommes pas là pour nous défendre le directeur général de la police, même les M. Sinek Belle et pareil, moi, sorti la caille. Mais par contre, on a quitté conseiller la police, il n'a pas gagné aucune force pour le dire, mais qui volume ZAM l'a mis disponible, mais qui moyen l'a mis disponible pour être capable d'exécuter Jovenel. Alors que, nèg qui est Léon Charles là, premièrement, le t'a prélé dans le téléphone, les jeunes t'a prélé dans le téléphone, li pas te répondre à l'appel. Deuxièmement, li pas te mettre aucun backup disponible pour t'al sauver Jovenel. Et troisièmement, comme si m'ta kap dou après la mort Jovenel, monsieur était dans possible comme si rien n'était, li pas responsable, li pas coupable, li pas connait rien. Et après ça, li seulement sorti dans tête la police, là aller dans diplomatie comme si m'ta kap dou son bing bang haïtien son lobby lié, n'importe baï ka passer n'importe qui gens et pour média étranger, la blablabla j'enlevé comme quoi qu'il y a déplacé bagarre là. Et tout le monde connaît enquête et New York Times a mené, il y a Laurent Gagot d'elle. Mais ça ne veut pas dire Ariel Paladin, parce que Félix Badiou c'est bon ami Ariel, il faut nous clair dans ça. Et
gain information New York Times by qui bon effectivement M. Félix Badio c'est l'enquête qu'il a mené non seulement il t'a parlé avec Ariel mais Ariel effectivement t'es bal côté pour le dormir ça veut dire Ariel bel et bien connaît comment Jovenel mourir et si monsieur pas connaît il n'y a pas besoin de ni ministre de justice aller, ni commissaire gouvernement aller. S'il te connaît, il était innocent. Il a quitté toute bagaille passée en bonne et due forme pour te laver tête devant le pays, devant le peuple et devant le monde entier. Donc, je dis là, nous venons de New York Times, il y a un juge d'instruction qui a mené l'enquête là. Nous avons demandé qui est le juge ça, je dis là. L'entendez, tout ce bagaille net, c'est New York Times qui a bali. Donc, Viva Haiti ne vient pas comprendre, nous venons perdu. C'est comme quoi que c'est l'international qui a mené l'enquête là pour nous. Mais permettez-moi de demander, le Jovenel mourir, comme si l'ambassade américaine, il va gagner un ambassade dans le pays. Le Jovenel mourir, comme si la Nations Unies n'a pas gagné madame Nala, il va là. Mais tout le monde, ça a côté côté, nous pensons qu'il y a une parole pour dire tout. Un président n'a pas mourir dans le pays, tenir tout officiel ça. Tout étranger, ça a débarqué dans le pays, bing bang, et puis tout le président, il va aller. Nous-mêmes, nous devons montrer le monde entier. Sacrivé à là, effectivement, eh bien, et Ariel, Félix Badio, et pourquoi pas, Yonek Tankou, Léon Charles, c'est Mounio qui doit répondre à la question de la justice, et si vous êtes coupable, pour la pénitentiaire, si vous êtes innocent, tout, normalement, dans bon logique, tout le monde qui était sale image, pour présenter vos excuses, mais en attendant, pendant nous-mêmes, nous t'arrêtons, mais Jovenel joindre justice. Moi-même, pile le monde qui mourit là, quand sous belle, bandit tout y est, sous l'autre Jovenel, il faut une justice. Tendez à quoi c'est deux. C'est pour un problème, Viva Haiti gagné avec New York Times comme institution. Seulement, façon New York Times a interféré dans le dossier assassinat Jovenel dans le pays, il est révolté. Donc, analyse Viva Haiti, c'est ça qui vient faire la société à la comprendre. Ils ont mis caché derrière l'article New York Times qui a retiré une série de monde dans un premier temps qui impliqué dans l'assassinat de Jovenel là et puis vini avec une série de monde. Dans un premier temps, ils ont parlé de Onekta Léon Charles. Nous avons entendu parler de Onekta Claude Joseph. Pour que ça rapide vite moun sa yo disparaît dans enquête qu'a mené dans le pays. Nous même nous vinn di avec New York Times s'il a parlé dans la question crime qui fait en dans pays a, nous pense grand pile l'autre crime qui fait et ta doué fouye bouche là-dedans. Mais ça qu'a fait là nous dit c'est pas enquête, c'est gayer New York Times a gayé enquête là dans menou en Haïti a bouyel parce que si New York Times a mené une véritable enquête pas oublier d'après ça dit ni et colombien yo assassinat Jovenel Moïse là li commencé les États-Unis à travers une compagnie sécurité qui est le City. Bon jusqu'à présent côté n'a parlé là nous pouvons jamais tendre yon responsable City you qui FBI mette en bas code. Yo dit c'est CTU, c'est lui-même qui te gen responsabilité embauche moun vin faire crime dans le pays ya. Comme quoi CTU ça lui-même pas gen moun qui capable dénoncer. C'est ça que fait nous-même nous vin comprendre. Mon travail qu'a essayé fait 130000. Retirer moun, mettre moun. Nous prend par exemple. Faut nous poser tête nos questions. On est tant pour directeur général, nouveau directeur général de la police là. France LB, ça vient de là. Depuis les crimes non fait, tout le monde a cité non Léon Charles, tout le monde a cité non Claude Joseph. Jodia, bon matin, on est venu le 22, il était impliqué dans le crime, il était payé 130 000 $ américains pour te assassiner Jovenel. Ça n'a bêtise n'est pas passé. Alors que nous te connaissons en question de 20 000 $ américains si tu te gagnes amène pour te faire crime non. Jean-Vinil dou son 130 000 $américains te bay. Ça veut dire la vie moun k'ap viv en Haïti li pas important n'importe qui ti kòb ka éliminer. Eh bien nous vinn di que ça k'ap fait là, nous dit New York Times on ti en suspend ni pou nous. Tendez à quoi c'est deux. Fois qu'on bite la informée.
Moi-même, j'ai choisi de rendre compte parce que les gardes où il est, mettre des trois gardiens capables de prendre le rapport à n'importe quel moment. Moi, j'ai bénéficié d'un mandat dans le département de l'Ouest, là, à la fin commune du département de l'Ouest. Moi, j'ai trouvé le nécessaire, puisque hier 10 janvier, marqué date sortie constitutionnelle PAM au niveau du Sénat, en dépit du fait que feu président Jovenel t'a dit pas qu'à rentrer dans le Sénat en janvier 2020, moi dit comme légaliste, il faut me parler devant nous pour me dire nous qui ça me fait à mandat. Merci en pile parce que nous venons. Docteur Clemenceau dit la politique c'est pas une profession, mais plutôt yon passion. Moi-même, j'ai voté un statut, moi inscrit dans cette passion, dans la mesure où profession c'est avocat, profession c'est journaliste, profession c'est ferronnier. Moi-même, dis-nous que l'homme te permet de rentrer dans le Sénat, l'homme privé, il faut que je prenne un petit temps pour apprendre comment le Sénat organisé. Dans l'organisation du Sénat, on dit que le sénateur faut que ses membres commission. Et moi-même, depuis la campagne, je dis que je bataille pour famille, justice, sécurité. Arrivé au niveau du Sénat, sans élection aucune, tout sénateur collègue moi qui a une sensibilité pour la justice, la sécurité, te dit ça, non pas le candidat là-dedans, n'a pas été pour sénateur, sénatus. Moi, je fais 4 ans dans le Sénat, je fais 4 ans président de commission justice, sécurité. L'homme arrivé en dedans, moi, j'ai une commission que la commission affaires sociales et du travail. Moi, puisque nous avons bataille pour la famille, moi dis, on nous transforme dans le cadre du fonds de règlement, commission ça en commission des affaires sociales, du travail et des droits de la famille. Moi, je passe 4 ans dans le Sénat, je fais 4 ans vice-président de la commission ça, que le sénateur, cher ami Antonio, t'a dirigé, qui c'est commission affaires sociales, du travail et des droits de la famille. Moi, je suis membre de la commission affaires étrangères. Et là, je ne travaille pas en pile là-dedans, parce que donc, maintenant, tu es plus allé par les gens qui font diplomatie. Cependant, je suis participé dans la séance de travail en session. Moi, je suis membre de la commission qui a révisé la constitution. Que le sénateur Kedler Augustin t'a dirigé. Malheureusement, il n'est pas prendre un lien comme travail sérieux. Moi, je demande une commission spéciale sur ratification et enquête spéciale. Par exemple, membre commission qui a analysé le dossier Jean-Henri Seyon à gouvernement. Nous menons des enquêtes spéciales dans Port-au-Prince comme dans le reste du pays. Mission sénateur, c'est faire loi. Mission sénateur, c'est contrôler l'exécutif. La vidéo qui se passe là a montré nous le travail de contrôle. Mais, moi, dans le cadre de travail PAM, rédigé 14 propositions de loi que je vais expliquer. Parce que je voulais que le pays me change, je voulais contribuer à l'avancement du pays. Dans 14 propositions de loi, ça y est, il y a 4 qui passent. Première loi qui passe, c'est la loi sur la réputation et le certificat de bonne vie et mœurs. Qui ça, psychologie, texte, ça? C'est parce que le monde a gagné Radio Télé Pacifique qui était qu'on a passé en direct toute séance Sénat. À plusieurs reprises, je suis rentré dans le Sénat, je suis chita.
côté Mchita, il y a des gens qui ont envoyé des messages, qui ont déplacé contre tel collègue parce que leur contrebande, déplacé contre tel collègue parce que leur drogue, déplacé contre tel collègue parce que leur ceci, leur cela. Mais estimer c'est en fréquence, c'est en disrespectant, pour au niveau du Sénat de la République, pour les gens qui ont dit pas Chita contre tel monde. Et là, je fais un calcul, je dis, si nous ne prenons pas bien, dans 5-10 ans, nous avons un Sénat, un chambre député, c'est le plus gros inclin de droit, c'est le plus gros assassin, c'est le plus gros kidnappeur. Maintenant, pour nous stopper ça, puisque la Constitution nous dit n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante, et nous avons beaucoup condamné, nous allons prendre un texte de loi qui est « Loi sur la réputation et le certificat de bonne vie et mœurs ». Il y a 15 articles. Nous faisons 3 mois pour nous voter parce que nous n'avons pas de cas assez facile. Mais nous devons voter au niveau du Sénat. Deuxième homme qui vote, c'est pour nous avoir une vie. Juste je ne dis pas parler avec moi. Si on nous vole un cabrit la gonave, un cabrit la tavane, 10 000 gouttes, si Judé Père a pas dit qu'il a violé la loi pour le juger, pour le mettre dans la prison, la Gonave, c'est Marie-Poyette, Marie-Pierre, mettez dans un petit bateau pour traverser la mer pour venir Port-au-Prince avec elle, venir la guerre pénitentiaire nationale. Une situation que je juge qui est anormale. Maintenant, nous jouons au texte de loi qui est déposé par un sénateur modeste, nous prenons le remanié et nous fouillons un tribunal de première instance dans la Gonave. Les voter dans le Sénat, chambre députée, il ne peut pas voter. Nous tous connaissons aussi volonté dans le pays. Et pour avoir été sénat, commissaire du gouvernement, avocat militant qui partait avec mon pile année de carrière, nous avons décidé de dire, m'a passé une loi sur la question volontaire. De voter au niveau du Sénat. Il ne pas connaître, il ne peut pas voter au niveau de la Chambre des députés. Nous connaissons très bien, l'homme qui a fait campagne, il a dit 300 000 âmes qui sont en circulation irrégulière dans le pays. 300 000 âmes, ça y est, qui sont dans les officiels, qui sont dans les bandits, qui sont dans les bons citoyens qui sont là pour protéger. Nous avons jugé le nécessaire pour nous légaliser les affaires âmes et prendre le contrôle. L'homme qui a rentré dans les 300, je vous dis à eux, 500 000. Qui en circulation. Nous avons loi 64 articles que vous présentez. Loi ça arrive à voter au niveau du Sénat de la République. 64 articles là, nous commençons à voter en juillet 2018. Les fins votées en juillet 2019. Mais les voter quand même. Quel est l'autre loi que nous avons proposé pour aider le pays à avancer? Par exemple, loi sous question urgence médicale obligatoire. N'importe quel monde qui fait un accident aujourd'hui à l'hôpital, parce que mon en Haïti n'a pas d'adresse, parce que mon n'est capable pas de payer, mon n'a pas mourir à terre. Et journaliste de Peterson Casseus, qui était victime des actes de PNH, m'a dit faut que nous proposions une loi sous urgence médicale obligatoire. Bataillon en pile. Et parole en pile. Moi, Abraham Campella, même si nous, en titre de partage d'expérience, que je me rends compte, j'en ai dit dans la vidéo, politique en Haïti est dirigée par une mafia. Mafia dégage le comme Jean-Jacques. Pour le financer campagne député qui vient faire croire à clé dans la mafia. Il finance campagne sénateur pour venir renforcer la mafia. Il met président le levé. Et que même mafia ça dit, politique parfaite pour le monde de bien en Haïti. Il y a des gens qui veulent décourager. Parce que les oiseaux qui montent sur moi comme pied bois, ils ont fait mauvais bagages sur le dôme. Mais ça est important, les Haïtiens quand même, et les Haïtiens toujours mettent un point d'interrogation pour dire c'est vrai.
Ma parle avec jeune qui l'a eu, on dit, on ne pas quitter politique dans la mafia. C'est vrai, il est dû pour faire politique parce que la famille souffre, les amis souffrent, les gens qui connaissent mieux souffrent parce que je suis politique. Cependant, si nous quittons la politique pour la mafia a mis nous tous qui disent ces mondes de bien dehors pour prendre le pays, pour être capable de bambiner. Un D à quoi c'est deux? Jean pour abonner channel là. Allez sur YouTube, tapez canal 11 Haïti 424, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez petit cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouveaux vidéos n'a posté sur channel là.